Bonjour, monsieur. Vous êtes député national. Vous siégez régulièrement au Parlement. Mais je pense qu'il est intéressant pour les Congolais de connaître précisement de quelle circonscription électorale êtes-vous l'élu. Merci. Oui, je suis élu de la circonscription de Guémena, qui se situe dans la province de l'Équateur. Avec les autres collègues, nous siégeons à l'Assemblée nationale où nous débattons de questions intéressant la vie nationale. Je suis aussi, c'est vrai, deuxième vice-présidente du comité des sages, qui est un organe d'arbitrage, de règlement de différends, qui oppose les tierces aux honorables députés, les députés entre eux ou aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Madame, déjà les travaux en plénière vous prennent assez de temps. Est-ce que c'est pas énorme quand il faut rajouter votre qualité de deuxième vice-présidente du comité des sages? C'est vrai que ça nous donne du travail parce que, comme vous savez, tous les députés sont membres d'une commission. La mienne, c'est celle de environnement, ressources naturelles et tourisme. C'est vrai que c'est un plus avec le comité des sages. Vous êtes sœur, vous êtes petite sœur du sénateur Jean-Pierre Bébagombo, qui est le président national du MLC. Comment se porte-t-il? Le président du MLC se porte bien. Je l'ai quotidiennement au téléphone. La santé est très bonne, le moral est bon. Nous prions pour lui et pour l'aboutissement heureux de son dossier. Madame, nous devons aller tout droit au but. Comment se portent les MLC présentement? Le MLC se porte bien. C'est un grand parti national, un parti fort, avec des membres fidèles. Chaque jour, nous jouons notre rôle de l'opposition dans une république. Eh bien, madame, nous avons suivi le changement qui est intervenu dernièrement au niveau des organes dirigeants du MLC. Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, le président du MLC a procédé dernièrement à la désignation de l'honorable Eve Bazaïba comme secrétaire général du parti. Et comme membre et député national du MLC, je soutiens avec les autres militants le nouveau secrétaire général du parti. Et vous pensez que tout cela a été fait conformément à tous les prescrits, à tous les écrits du MLC? Ah oui, tout à fait. C'est une décision officielle. Bien. Alors, ceux qui sont partis, Madame Bemba, sont-ils toujours membres du MLC? Selon les écrits, non. Je comprends par là qu'ils sont entrés au gouvernement à titre personnel, car il n'a jamais été question, ni pour le président du MLC, ni pour les instances dirigeantes du parti, de rentrer à un gouvernement. Mais madame, pouvez-vous expliciter un peu pour l'opinion quand vous parlez des écrits? Ça veut dire quoi? C'est le règlement intérieur du MLC? C'est le règlement particulier du collège des fondateurs du MLC? Est-ce la loi portant statut de l'opposition? Est-ce que aussi toute la correspondance qui nous a été servie abondamment ces derniers temps? Oui, tout à fait. Je mets tout ça dans les écrits. Bien, voilà pour ce premier contact, Madame Bemba. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit mot de la fin, il y a quelque chose de particulier qu'il nous faudrait ajouter à cette première entretien? Comme c'est le début de l'année, j'aimerais souhaiter une bonne et heureuse année à tous les militants du MLC. Et j'aimerais déclarer que le futur du MLC n'est pas limité. Nous continuons à servir notre nation dans la paix, l'amour, la tolérance, la considération et l'unité. Que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. À la prochaine interview. Merci beaucoup à vous. D'accord.